Boris, à l'attaque! Chut, il va bientôt parler. Il va bientôt parler. Il va bientôt parler. Bon, ça va. Les amis, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Derrière cette porte, il y a un monstre abominable. Mais qu'allons-nous faire? C'est très simple, on va se battre. Mais Boris, on est bien trop petit pour se battre contre un monstre. Il vaudrait mieux devenir son ami. Ben ouais. Pas de panique, j'ai un pistolet. Il est tout riquiqui ton pistolet. Il est en plastoc. Alors c'est qui le riquiqui? Bon d'accord, je retire ce que j'ai dit. Chut. Le monstre fait sa sieste. C'est le meilleur moment pour l'attaquer. Allons-y. Boris, c'est quoi ce bruit? Bah, c'est le monstre qui ronfle. Alors, vous êtes prêts? En avant! Ben alors, vous venez, bande de trouillards? Comment t'as deviné que je suis une bande de trouillards? Chut! Tu vas réveiller le monstre. Fais gaffe, pas de bruit. Prêt? Prêt. Pas moi. Tant pis. Attention à l'attaque! Oh les mains, abominable monstre! Maintenant, c'est moi qui commande! Bien, Boris, que se passe-t-il? C'est toi, papa, tu m'as fait peur. Mais c'était une blague, Boris. Je jouais au monstre. Ouais, mais c'est pas drôle du tout. Tu sais même pas faire les blagues. Tu as raison. Mais il y a une chose que je fais très bien. Ah oui? Et c'est quoi? Un gros câlin. Vous avez compris quelque chose, vous? Non, rien du tout. Moi non plus. Boris! Allô? Alors, à qui le tour? À toi. Oh non, pas moi. À qui alors? Non, pas moi. Pas question. Oh bah non, j'ai quelque chose à faire. Ça va pas la tête? Sans façon. T'as qu'à trouver quelqu'un d'autre. De quoi s'agit-il? Je vois le genre. De toute façon, je vais choisir moi-même. Toi. Et puis toi. Toi aussi. Maman. Et toi pareil. Bon, décidément, il te les faut tous. Eh oui, c'est comme ça. Quant aux autres, patience. Je vais revenir vous chercher tout de suite. Oh, c'est cool. Il est temps de se filer. Oh oh. Vous vous croyez très malin, hein? Bon, très bien. Je me demande où ils sont cachés. Ça ne doit pas être très difficile de les trouver, ces gros bêtas. Attention, j'arrive. Chut, zut, le voilà. Alors comme ça, on joue à cache-cache. Qu'est-ce que tu vas croire? On est juste là par hasard. Oui, on se protège du soleil. Mais oui, c'est ça. Hé, attendez-moi, vous m'oubliez. Ben,
Où es-tu, canard? Je suis là. Ah, te voilà, toi. Où étais-tu caché? Je me cachais pas. Je m'étais endormie derrière la porte. Bon, allez, faut se dépêcher. Les autres vous attendent. Je crois que j'ai le mal de mer. Cette eau est trop chaude. Oh non, elle est trop froide. Moi, je la trouve trop mouillée. Trop liquide. Oui, et ben moi, je trouve que Boris exagère. Il aurait pu nous demander notre avis. Eh oui, c'est comme ça, les gars. Moi, je n'aime pas prendre mon bain tout seul. Et puis, après, vous serez tout propre. Alors, arrêtez de vous plaindre. Moi, j'aime bien barboter. Oh, toi, ça va, le faillot. Boris, bande de trouillards. J'ai un peu peur. Oh, peur de quoi? J'ai peur du grand méchant loup. Eh bien, le loup n'existe pas. Allez, viens à côté de moi, petite mauviette. T'es sûre? Ben oui, je vais te protéger. Boris. Moi aussi, on a la trouille. La trouille? La trouille de quoi? On a peur, tout seul dans le noir. Oh là là, quelle bande de poules mouillées vous faites. Allez, installez-vous, il y a de la place. Boris? Quoi encore? Boris, j'ai la pétoche moi aussi. Il y a des bruits bizarres dehors. Mais non, c'est le petit hibou. Oh là là, petit poltron. Couche pas à côté des autres. On va te trouver une petite place. Je préférais aller sur ta tête. Ça ne t'ennuie pas? Oh là là, allez, si tu veux, monte. Boris, on a les jetons. Oui, on a les chocottes. Comme eux. Oh là là, c'est pas possible, hein. Heureusement que je suis là pour tous vous protéger, hein. Allez, venez, bande de quoi? Il n'y a plus de place, mais tant pis, on se débrouillera. Mais en fait, je pense à un truc tout d'un coup. Si c'est moi qui vous protège, ça veut dire qu'il n'y a personne pour me protéger. Moi! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Arrête de brailler! Je ne peux plus dormir, alors. Eh bien, Boris, qu'est-ce qui t'arrive? C'est toi qui as crié? Pas du tout. Ah bon, tu me rassures. J'ai cru que tu avais fait un cauchemar. Essaie de te rendormir, mon petit chéri. Oui, maman. Mais c'est vrai, ça. J'avais complètement oublié. Papa et maman, ils habitent chez moi. Comme ça, je risque rien du tout. Et nous, on compte pour du beurre? Allez, silence. On dort maintenant. D'accord, Boris, mais tu aurais pu le dire plus gentiment. Boris, c'est ma chambre. Non, pas des briques, ni des ballons. Montre-moi autre chose. Oh oui, ça c'est joli, hein. C'est joli, hein, Boris?
Non, pas question, tu m'entends? Ah ouais, celui-là, il est beau. Mais non, pas du tout, c'est juste des feuilles mortes. Et celui-ci, Boris? Non, non, non. Mais si, mais si. Arrête le chien. Et celui-là? Mais je suis pas une fille, moi. Mais si, celui-là, c'est mieux. Oh, ça suffit comme ça, maintenant. C'est ma chambre, c'est moi qui ai choisi. Allez, allez, du palais. Puisque c'est comme ça, nous on boude. C'est ça, boudez, si ça vous amuse. Moi, je m'en fiche. Hé hé, enfin tranquille. Alors, et celui-là, il te plaît? C'est trop rond, on dirait des bulles. Et celui-là? Non, trop droit. Maman, je ne suis pas un poisson. Et là, c'est trop sombre. Ça, c'est vraiment trop idiot. Ça, c'est vraiment moche. Trop bizarre. Un peu trop brouillon. Non, ça, c'est trop nunuche. Non, non. Non et non. Oui, celui-là, c'est trop... Ah, il ne reste plus que des couleurs unies. Maman, stop. Ton crayon, s'il te plaît. Merci, maman. Et voilà. Tu vois, maman? C'est ça que je veux. Ah, très bien, Boris. Alors, les enfants, ça vous plaît pas comme ça? Ouais, c'est pas mal. Ils auraient préféré les grenouilles. Moi, les fleurs. Moi, je préfère les nonos. Les feuilles, c'était pas mal quand même. Bon, allez, c'est l'heure de dormir dans ma jolie chambre. Bonne nuit, les amis. Boris, c'est moi qui commande. Hop. Ah, on est trop fort. Ça va pas bien, non? Espèce de grosse... T'as démoli notre beau château. Celle-là, je parie qu'elle est pour moi. Harry, t'aimes bien. Pardon, rien de cassé. Non, je crois que ça va aller. Attention, le voilà. Allez, allez, on trouve ce petit jouet. Hop, c'est ma place. Boris, tu ne fais pas assez attention aux autres. C'est vrai, tu n'es vraiment pas gentil. On pourrait presque dire que t'es assez méchant, en fait. Oh là là, vous m'embêtez à la fin. Je vais lire ailleurs, moi. Tu ne sais même pas lire. Boris, le petit tyran. Hein? Boris, mais... l'affreux petit bonhomme. Mais... Boris, la brute. Un de ces jours, tu devras rendre des comptes. Oh, ça suffit, hein. Moi, j'ai besoin qu'on m'aime pour grandir harmonieusement. Qu'on me dise des choses gentilles et positives, pas qu'on me fasse des critiques sans arrêt. Oh, ça va. T'as qu'à être plus gentil aussi. C'est de ta faute. Mais inutilerie, ma parole. Vous allez le regretter. Qu'est-ce qu'il fabrique? On va bien voir qui c'est qui commande ici. Hé, toi, tu vas répéter ce que tu as dit tout à l'heure. Bien sûr, j'ai dit que tu étais un petit garçon très doux. Et génial aussi.
Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ah oui, oui, c'est toi l'ourson le plus gentil de toute la terre entière. Je sais, mais ça fait toujours du bien de l'entendre. C'est vrai, hein, c'est vrai, Boris, c'est toi le plus intelligent du monde et de tout l'univers connu et inconnu. Je trouve que tu es magnifique, vraiment magnifique. Eh ben voilà, c'est quand même pas difficile d'être gentil. Ah, entendre tous ces compliments m'a donné faim. Oh les mains, maman, j'ai faim. Prépare-moi mon goûter et en vitesse. Non, file tout de suite dans ta chambre. Tu auras ton goûter oui. Quand tu seras redevenu poli, gentil, doux et attentionné. C'est compris? Oui, maman. Moralité? Les joies ont toujours raison. Oh, ça va, hein? Boris, cache-cache. Attention, j'arrive. C'est moi qui compte. 1, 5, 12, 15, 9. Venez vite, Boris veut jouer à cache-cache. Ah, non, merci. Boris, c'est trop fort. On a assez. C'est toujours lui qui gagne. Et nous, on perd à tous les coups. C'est vrai, ça. En fait, il a pas vraiment besoin de nous. Il a qu'à jouer tout seul, ouais. Ah, vous êtes durs. Moi, j'aime bien jouer à cache-cache avec Boris. D'ailleurs, je connais une bonne cachette où il ne me trouvera pas. 52, 2,5 et 100. Je vais bien le trouver, ce petit canard. Canard, petit canard. Où es-tu, petit canaillou? Coucou. Je vais te trouver. T'es là? Non. Je vais finir par t'attraper, coquinou. Il est pas dans le seau. Il est pas sur le tas de bois. Il est pas dans le chariot non plus. Il n'est pas non plus dans la cabane. Oh, décidément. Pour une fois, il est rudement bien caché. Pourtant, il doit bien être quelque part. Voyons, où peut bien se cacher un petit canard en plastique? Oh! Ah, tu vois, je t'ai trouvé! Tu as eu un coup de chance, c'est tout. Oh bon, ça va, on n'a qu'à rejouer. Tu peux aller te recacher si tu veux. Vas-y, je ne regarde même pas. C'est l'histoire d'un canard qui racontait des histoires de canard, coin, 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 dans sa petite mare. Et c'est reparti pour un tour. Alors, où est-ce que tu as bien pu te cacher cette fois-ci? Ah, t'es encore trouvé. Il n'y a pas de quoi être fier. Tu l'as même pas fait exprès. Bon, d'accord, je ne vais pas discutailler. Allez. Va te re-re-cacher. Je te laisse une dernière chance. C'est l'histoire d'un mignon canoton que je vais trouver. Ça va pas être long. J'espère que t'as trouvé une bonne cachette, hein? Parce que cette fois, tu ne m'échapperas pas. Ouh, je vais te trouver. Ah, encore trouvé. J'ai gagné, j'ai gagné. Cette fois, j'abandonne. Alors vous avez raison, il est beaucoup trop fort pour nous. C'est vrai. Et en plus, il a trop de la chance. On fait pas le point. Achou! Boris et pain. Boris, oui, Boris. On peut jouer avec toi, Boris. Chut, pas un bruit. Mais pourquoi tu portes ce masque? Mais vous êtes bête ou quoi?
C'est pour pas qu'on me reconnaisse. Ça sert à rien de mettre un masque, Boris. On t'a tout de suite reconnu avec ta grosse tête de Boris. Eh oui, c'est bien lui. Oh, c'est bien. J'allais me faire rater mon plan. Quel plan? Chut, mon plan d'attaque. Quelle attaque? L'attaque de papa. Je vais attaquer papa à la cave. Tada! Oh, je le sens pas trop sur ce coup-là. Oh, les mains, papa! Aïe! C'est toi, Boris? Oui. Que cela te serve de leçon? On ne tire pas dans le dos des gens. Tu parles trop, qui est tendre. Mais j'ai pas de pied. Bon, alors, oh, les mains! J'ai pas de main non plus. Ça suffit! Va! Aïe! Un commentaire. Ah ah! Toi, tu ne m'échapperas pas. Ouais, je t'ai eu! C'est moi le meilleur tireur de l'Ouest! Oh, toi, ça va, hein? Et toi, là-haut, tu ne perds rien pour attendre. Tu m'entends? Ah, c'est comme ça que tu le prends et pan. Ah ah! Je suis très, très déçu. Tu es nul, le pistolet. Et tu as un bon à rien. Les bons à rien, voilà ce que j'en fais, moi. Enfin libre. Peace and love. Aïe. Alors, ville Manon, tu oses fouler mon territoire avec tes grosses papates? Ah, tu veux la guerre? Ouais. Eh ben, tu vas l'avoir. Boris, il neige. Youpi, il neige. Hey, il neige. Maman, il neige. C'est vrai? Attends une petite seconde, Boris. Je vais chercher ton écharpe. Oui, maman. Papa, il neige. Ah, en voilà une bonne nouvelle. Mais si tu vas dehors, Boris, n'oublie pas de mettre ton bonnet. Écharpe, bonnet. Voilà. Je suis beau. Maintenant, tu peux aller jouer dans le jardin. Waouh. C'est drôlement froid. Ah, ici ce sera très bien. Toi tu vas sur cette branche. Ah bon? Toi sur celle-là. Aïe. Toi ici. Toi ici. Et toi là. On fait quoi maintenant? Je me le demande aussi. C'est une surprise. Attention. Au secours! Il va la tirer dessus! Yeah! Complètement raté. Oh là là! Il n'a pas l'air content. Oh, t'es nul, Boris. Pas terrible, hein? Bande de tricheurs! C'est parce que vous avez bougé. Mais pas du tout. C'est toi qui vises comme une patate. Bon, ok. Puisque c'est comme ça, je vais jouer tout seul. Je crois que j'ai une idée. Avec une boule rose comme ça, impossible de les rater.
Hein? Et où sont-ils passés? Ah ah! Je vous vois! Ah bon? Bah pourtant on était bien cachés! C'est vrai! Ouais! Planquez-vous, j'arrive! Oh non! Pas ça! Attrapez! Au secours! Attrapez! Pitié! Attrapez! Attrapez! Et voilà! Je vous ai tous eu! Et avec une seule boule de neige! Je suis vraiment trop fort! Oh là là! Vivement le printemps! Boris, je sais compter jusqu'à 1. Bonjour, j'ai quelque chose à vous dire. Moi, je suis très intelligent. Ah bon? Depuis quand? Depuis que je sais compter. Ah ouais, et tu sais compter jusqu'à combien? Ben, je sais compter jusqu'à 1. Bon, puisque c'est comme ça, je vais compter tout seul. Pas question. On vient avec toi. Tiens, un tapis volant. Mais aujourd'hui, il est en panne. Ça, c'est une porte de maison. Hey! Youpi, un jardin super grand. Le premier arrivé à gagner. Attends-nous, Boris. Voilà un nuage. Et là que je t'attrape, toi. Attends, Boris, une mouche. Un bzip-bzip. Un zonzon. Y'a quelqu'un? Pas besoin d'échelle pour grimper au tronc. Je suis pas un petit ours pour rien. Oups. Un trou à la culotte. Premier étage. Ça sent la pomme dans le quartier. Oh, un verre. Depuis quand t'habites là, toi? Depuis au moins un jour, je te signale. Waouh, une belle marguerite. Je sais à qui je vais l'offrir. Ah bon, à qui? Et voilà une maison. C'est ma maison. Et c'est la nôtre aussi. Un escalier qui descend. Un papa qui a toujours faim. Tiens, papa qui a toujours faim. Merci, Boris. Oh, encore scrogneux. C'est toujours pareil. Salut, papa. Et hop, un escalier qui monte. Ben, je croyais qu'il descendait. Waouh. Une maman qui aime le parfum. Tiens, maman qui aime le parfum. Ah, merci, mon chéri. Alors, Boris, tu veux toujours pas apprendre à compter jusqu'à 2? Non, c'est pas la peine. Parce que quand on sait compter jusqu'à 1, comme moi, ça suffit pour reconnaître. Un qui ne sait rien. Quoi? Un qui ne sait rien de rien. Ah bon? Et un qui ne sait pas grand-chose. C'est même pas vrai! Puisque c'est comme ça, on s'en va. Monsieur le très intelligent. C'est quand même fou le nombre de choses qu'on peut compter. Quand on sait compter jusqu'à... Ah oui, 1. Boris, je veux cette pomme. Promenons-nous dans le jardin pour aller faire du pétrin. Si vous ne tombez pas, je vous emporterai. Et si vous tombez, je vous ramasserai. Oh oh, des pommes. J'adore les pommes, moi. Je vous parie qu'il va vouloir la pomme qu'il ne peut pas attraper. Cette pomme. Qu'est-ce que vous avez dit? C'était gouru. Mmh.
Je n'arrive pas à l'attraper, je suis bien trop petit. Mais enfin, Boris, pourquoi tu ne manges pas une de ces pommes qui est dans l'herbe? C'est vrai, ça. Il n'y a qu'à se baisser. Elles sont drôlement plus fastoches à ramasser. Merc, elles sont toutes moches et toutes cabossées. Oh, ça va, hein? Elle te plaît pas, ma maison? Alors que celle-ci, c'est la plus belle, la plus merveilleuse, c'est la plus désirable. C'est pour ça que je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Pas de problème, Boris. Je suis ton homme. Comme tu veux. Mais non, pas vous. Pardon, pardon, allez, couche. J'ai besoin de la carriole. Aïe! Oh, décidément, c'est pas drôle d'être petit. Ah, on te le fait pas dire. C'est pas grave, j'ai une autre idée. Pitié, pas ça. Allez, dis-merde, ouais, on est presque. On garde l'équilibre. À la une, à la deux, à la trois. Ça y est, vous y êtes. Vas-y, clown, attrape la pomme. Ah, c'est pas vrai, ça. Mais vous êtes vraiment des gros nuls. C'est toi, le gros nul. Ouais. Quoi? C'est comme ça que vous me traitez, le gros nul? Moi qui vous aime et qui vous chérie, vous me décevez beaucoup. Dans ces conditions, je vous laisse. Le gros nul vous dit salut. Allez, le prends pas comme ça. Quel mauvais caractère, ce Boris. Vous inquiétez pas, vous allez voir. Il va revenir. Il en met du temps quand même. Ben quoi? Regardez ce que j'ai amené. Un bâton? Pitié! Tape-nous pas! Mais non, voyons. Regardez. Hop! Et toc! Alors, choque le chromone. Berk! Mais elle est pas mûre! Le gros, c'est Boris! Boris. Qu'est-ce qui se passe-t-il, mon petit chéri? C'est lui, il me donne des coups de pied. Quoi? Oh, mais ce n'est pas très gentil, ça. Mais oui, dis donc, c'est pas très gentil, ça. Hein? Mais c'est pas moi! J'ai pas de pied. Tu as mal, tu souffres beaucoup. Oui, je souffre beaucoup, beaucoup. J'ai besoin de bisous. Alors ça, c'est trop fort. Oh. Tout ça pour de stupides bisous. Pouah! Je trouve ça dégoûtant. J'ai eu des bisous, j'ai eu des bisous. C'est ça, va jouer ailleurs. Petit menteur, va. Tiens, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Rien, j'habite ici. Viens, on va aller voir papa à la cave. D'accord. Papa, papa! Eh bien, que se passe-t-il, Boris? C'est lui, papa! Il m'a mordu! Eh bien, ce n'est pas très gentil, ça. Oui, vraiment pas du tout. C'est pas moi! J'ai même pas de bouche! Un bisou pour te consoler. Ça irait? Je crois que oui. Oh, pitié! Ha! J'ai encore eu un bisou! Oh oh, je vois que monsieur est vexé! Et toi, tu fais encore la tête? Bon, vous l'aurez voulu! Au secours! Non mais ça va pas bien!
Vous êtes vraiment des brutes. Une journée sans bisous, c'est pas une bonne journée. Une journée sans bisous, c'est pas une bonne journée. Une journée sans bisous, c'est pas une bonne journée. Une journée sans bisous, c'est pas une bonne journée. Boris, le Noël des petits jouets. Ça va pas bien tous les trois. Vous voyez pas que c'est l'heure de dormir? Oui, mais on n'arrive pas à dormir, Boris. Ah bon? Oh oui, on a peur. En fait, on a peur que Papa Noël ne vienne pas. Bougre Dan, et si vous ne dormez pas, Papa Noël ne viendra pas. C'est comme ça que ça marche. Il faut dormir. C'est compris? Oui, Boris. Boris. Bon, très bien. Bonne nuit, alors. C'est ça, dormons. Bonne nuit, les amis. Ah, les jouets. Attention, attention. Hop, hop, hop. Et hop. Et voilà, tous les jouets ont leur petit cadeau. Oh, l'heure de se rendormir pour de bon. Hein, quoi? Boris, on va voir les cadeaux. J'arrive. Alors, vous êtes content? Oh, j'ai eu un bouton. Et moi, j'ai eu la moitié d'un coton-tige. J'ai eu une cacahuète. J'ai eu un très beau clou, tout tordu. Moi, j'ai eu une mouche morte. C'est un petit caillou, c'est ça? Chouette. Une feuille. Et moi oh, un vrai fuselade. Ouah. Et ben et moi alors? Ouah. Un capuchon de feutre. Bah, et moi. Mais qu'est-ce que t'attends pour ouvrir ton cadeau, le serpent? Ah oui, Oh, waouh. C'est beau. C'est quoi? L'autre moitié du coton-tige. Oh, merci. Mais, et toi, Boris, tu n'as pas de cadeau? Mais, c'est vrai, ça? Faut vite que j'aille voir ce que le Père Noël m'a apporté. Papa, papa, maman! Waouh! Joyeux Noël, Boris! Merci, Papa Noël! Et moi alors? Boris, moi je dis non. Oh, j'ai bien dormi moi. Et maintenant j'ai faim. Bonjour, maman. Bonjour, mon petit chéri. As-tu bien dormi? Non. As-tu faim? Oh, non, alors. C'est bon. Oh, ah non. Ça va, Boris? Tu as bien petit déjeuner? Non. Boris, et si on jouait au ballon? Non. Vas-y, fais une passe. Mais tire, Boris, tire. Non. Allô? Non. Oh non.
Non, 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 non. Non. Mais puisque je vous ai dit non. 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 Tiens, Boris. Et si on allait se promener au parc tout à l'heure? Non. Et maintenant, si on allait manger une petite glace? Non alors. Bonjour. Une glace vanille café, s'il vous plaît. Tenez, monsieur. Merci. Papa, papa. Mais attends, et moi? Ma glace. Mais quelle glace, Boris? Je t'ai demandé si tu en voulais, tu m'as dit non. Mais papa, quand je dis non, avec le sourire, ça veut dire oui. T'as compris? Non. Alors, Boris, tu veux une glace, oui ou non? Bien sûr que oui! Ah, tu as dit oui en souriant. Alors, ça veut dire non, non? Mais non, papa. Oui, c'est oui, et non, c'est non. Tiens, petit. Merci, monsieur. Ça va? C'est bon? Non, papa. C'est super bon. Ah, tant mieux. Tu es content, alors? Non. Oh. Je suis super content. C'est super, non? Boris, on s'ennuie. Boris, on fait quoi aujourd'hui? Alors ça, je parie que vous ne devinerez jamais. Chiche! Oh, facile, on va jouer à un jeu. Et non. Je sais, on va aller sur la lune. Non, non, et non. Oh, on va faire quoi? Vous allez bien voir, c'est un truc vraiment super. Ah, voilà, on y est. Oh. Alors, Boris, c'est quoi ton truc super? Bah, rien. Bah oui, rien. C'est ça, le truc. On va s'ennuyer. S'ennuyer? Oh non, pas ça. C'est trop nul, Boris. Qu'est-ce que ça veut dire, d'abord? Quoi? Vous ne savez même pas ça? Mais s'ennuyer, c'est génial. Dans la vie, il faut s'ennuyer. Hey, Boris, on peut dormir quand on s'ennuie? On peut siffler? Et on peut discuter aussi? Et on peut faire tous les guilis-guilis qu'on veut à ses voisins? Tiens! Quand on s'ennuie, on ne discute pas, on ne dort pas, on ne siffle pas et on ne fait pas de guili-guili à son voisin. On fait quoi alors? Rien. Et maintenant, je ne veux plus entendre un seul mot. C'est trop long dur de s'ennuyer. Chose à faire que rien du tout, moi. Allez, salut. Ah, enfin, Lynn. Manger du plastique, c'est mauvais pour la santé. Je me demande où on va, là. Ah, il fait noir là-dedans. C'est pas un poisson, ce truc. Ah, la magie. Tout est minuscule, vu du ciel. On s'est drôlement bien ennuyé, pas vrai les amis? Ouais. Et maintenant, si on jouait au pirate, d'accord? Boris, on pourrait pas s'ennuyer encore un petit peu, s'il te plaît? Hein? Mmh.
Boris, petit morveux. Ah, je suis si gentil, si charmant et si beau que tous les mamans et les papas de la Terre aimeraient avoir un petit Boris comme moi. Boris, on t'aime bien, mais tu n'es pas vraiment charmant. Il est très gentil. Il est vraiment beau. Vous dites ça parce que vous êtes petit et moche. C'est pas vrai. Je vous parie qu'avant ce soir, maman et papa diront que je suis charmant, gentil et beau. Hé, moi je sais comment faire plaisir à maman. Avec ce petit bouquet de fleurs, je vais avoir beaucoup de succès. Ma petite maman chérie, regarde le petit bouquet de fleurs que j'ai cueilli pour toi. Oui, Boris. Pose donc les fleurs sur le tabouret. Oh. Et mouche-toi, mon chéri. Ça ne fait rien. Je vais lui faire un beau dessin. J'ai une idée. Ah oui. Maman, maman. Je te fais un beau dessin. Pour toi. Ah, pose ton dessin avec les fleurs, là. Et va donc te moucher. Oui, maman. Bon, tant pis. Ce sera peut-être plus facile avec papa. Papa, papa! Regarde, papa! J'ai ramassé toutes les feuilles mortes du jardin. Qu'y a-t-il, Boris? Ah, oui, eh bien bravo. Tu n'as qu'à poser le seau sur le côté, là. Et mouche-toi. Oui, papa. Papa, je peux te faire un bisou? Pas maintenant, Boris. Tu vois bien que je suis occupé. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que papa et maman disent que je suis gentil, beau et charmant? Qu'est-ce que vous en pensez, les jouets? Mouche-toi, Boris! Bon, d'accord, d'accord. Il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Et voilà. Merci. Maman, papa, regardez, je me suis mouché tout seul. Wow. Tu vois, Boris, que tu peux être gentil et beau. Et charmant quand tu veux. Ça, c'est vrai. Petit coquinou, va. Que serait Boris sans nous? Un sale petit morveux. Boris, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Boris? Je dessine un lapin. Qu'est-ce que tu fais? Regarde, je dessine un lapin. Qu'est-ce que tu fais? Je dessine un lapin. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Ça se voit, non? Je dessine un lapin. Qu'est-ce que tu fais? Je dessine un lapin! Boris! Si tu veux crier, tu vas dans ta chambre. Oui, maman. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je joue tout seul. Qu'est-ce que tu fais? Je joue tout seul. Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais bien jouer tout seul. Qu'est-ce que tu fais? Je joue tout seul! Dis donc, Boris, jouer ne veut pas dire beugler comme un petit veau. Oui, papa.
peux venir? Qu'est-ce que tu fais, Boris? Zut, il est cassé. Faites-moi une petite place. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes cachés? Oui, on est cachés! Enfin, Boris! Quand on joue à cache-cache, on n'a pas besoin de faire autant de boucans. Oui, papa, maman. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Oui, qu'est-ce que tu fais? Une surprise! Hop, 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 hop! Hop, 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 hop! Et hop! Et voilà, enfin tranquille! Boris, qu'est-ce que tu fais? Oui, qu'est-ce que tu fais, Boris? Pour être franc, je me le demande. Boris, quand je serai grand, Et au fait, Boris, quoi, canard? Qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu seras grand? Mais je suis déjà grand. La preuve, je construis un château. Mais non, je veux dire, quand tu seras vraiment une grande personne. Oh, bah, je ne sais pas. De toute façon, je ne serai jamais une grande personne. Allez, pousse-toi de là. Aïe, oh là là, on peut jamais discuter avec toi. Mais non, je rigolais. Quand je serai grand, je serai pompier. Au secours, au secours! Boris, viens me sauver! Viens, bon, j'arrive. Et j'ai à secourir les petits canards en détresse. C'est malin, ça. Ou bien, quand je serai grand, je serai vétérinaire. Je soignerai les petits canards malades. Oh, merci, Boris. Je me sens déjà beaucoup mieux. Ou bien, quand je serai grand, je serai peintre. Et je ferai des peintures de petits canards, bien sûr. T'es sûr que c'est moi, ça? Tu ne peux pas comprendre. C'est de l'art. Eh bien, quand je serai grand, je serai docteur. Allez, hop, canard, hop. Ah, oh, tu pourrais le demander plus gentiment. Oh, eh bien, puisque c'est comme ça, quand je serai grand, je serai boxeur. Pardonne-moi, Boris. J'ai juste dit ça pour rigoler, quoi. T'énerve pas. Et je me battrai contre les petits canards qui se croient plus forts que tout le monde. Raté. Hé, canard, si tu préfères, quand je serai grand, je serai chasseur. Au secours! Ou si tu préfères, je serai cuisinier. Non, pas vraiment. Mais si, je te ferai de bons petits plats et de délicieux desserts. Ça sent bon, effectivement. Et voici ma spécialité, le gâteau au choco-canard. Choco-canard? Mais c'est carrément horrible! Boris, j'espère que tu ne grandiras jamais. Mais non, je disais ça pour rigoler. En fait, quand je serai grand, je serai comme papa. Ah bon? Et il fait quoi comme métier, papa? Ben, je sais pas, moi. Papa, c'est papa, quoi. Boris. Roger le robot. Et levez-vous vite, les jouets. Hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ah bon? Encore?
t'as quel âge, Boris? Moi, j'ai un an. Hein, quoi? Plus un an, plus un an, plus un an. Bah alors, ça fait 4 ans. Mais non, pas du tout. Si j'avais 4 ans, j'aurais un seul gâteau d'anniversaire. Mais comme j'ai un an, plus un an, plus un an, plus un an, j'ai un gâteau, plus un gâteau, plus un gâteau, plus un gâteau. Miam. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Boris. Joyeux anniversaire. Bravo. Bon anniversaire, Boris. Miam. Et maintenant, j'ai un cadeau, plus un cadeau, plus un cadeau, plus un cadeau. Tiens, Boris. Oh, une tête de robot. Oh là là, un corps de robot. Ouais, des bras de robot. Youhou, des pieds de robot. Bonjour, je suis Roger, le robot. Bip, bip, bip. Un robot? Un robot. Merci, maman. Merci, papa. Bon anniversaire, mon chéri. J'ai un robot, j'ai un robot, j'ai un robot, j'ai un robot. Alors, Roger, qu'est-ce que tu sais faire, toi? Bip, bip. Je sais faire plein de choses. Par exemple, je sais compter jusqu'à 4. Ah oui? Alors, combien ça fait petit canard plus un ours? Ça fait exactement 2 pignouf. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Très drôle, Roger. Alors, on réessaye. Une vache plus un clown plus un serpent. Combien ça fait, Roger? Ça fait 3 andouilles. Oh, pas ça! Quoi? Encore plus difficile. Un cube plus une brique plus un râteau plus un marteau. Ça fait 4 petites crottes. Oh non, mais quelle culotte! Non, c'est incroyable! Focus, Roger! Oh, Roger, tu es trop drôle! C'est parce que je suis programmé pour dire 3 bêtises par jour. Ah, moi, les bêtises, je les fais. Tiens, regarde. Hop! Mais je ne peux pas les compter, haha! Il y en a beaucoup trop! Eh ben, ça promet! Je te le fais pas dire! Arrête, l'ours! Boris. Salut, cousine. Ah oui, c'est bien. On doit vous laisser. On doit vraiment y aller. Bon, d'accord. À tout à l'heure, Alice. Au revoir, chérie. Bye bye. Boris, voici ta cousine Alice. Elle est à la maison jusqu'à 11h. Joue avec elle, mais sois gentille car elle est plus petite que toi. Mais, maman, je suis toujours très gentille, moi. Tiens, Alice, je vais te montrer mes jouets. Les amis, je vous présente ma petite cousine Alice. Elle est plus petite que moi, alors il faudrait être gentil avec elle, d'accord? D'accord. C'est promis. Salut, Alice. C'est ça, tes jouets? Toi, t'es vilain. Toi aussi, t'es vilain. Vilain. Vous êtes tous des vilains. Toi, vilain. Toi aussi. Vilain, vilain, vilain. Boris, fais quelque chose! Bah oui, mais quoi? Bah, je sais pas quoi, on pourrait lui taper sur la tête! Vilain, vilain, vilain! Je ne peux pas, j'ai promis à maman d'être gentil. Burk! Pas bon! Maman, maman, maman! Maman, maman! Elle dit que mes jouets sont vilains et elle les tape en plus! Eh bien, tu n'as qu'à lui expliquer que ce n'est pas très gentil de faire ça. Bon, d'accord. Alice, tu sais, ce n'est pas très gentil ce que tu fais là. Boris, caca! Aïe! Maman, oui, maman, oui! Maman, maman, elle dit que je suis caca. Elle me donne des coups de pied en plus. Ah, peut-être que tu devrais l'emmener dans le jardin. Elle a besoin de se défouler, cette petite. D'accord, maman. Allez, viens, cousine. Hein? On va jouer dans le jardin. Oh là là! Je sais pas bien ranger ici. Tu vas là! Hein?
toi ici. Et oh. Et vous sur le râteau. Mais. Ouais, mais non, pas le droit de faire ça. Ah. 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 Oh bon, ça suffit comme ça. Tu vas voir, Boris va enfin le taper sur la tête, ça va être marrant. Et toi? Et maintenant, Alice, on se calme et puis on range tout, d'accord? Oh oui, Boris. Oh bah ça alors! J'aurais jamais cru qu'un bisou pouvait avoir autant d'effet! Oh, personne ne résiste à mes bisous. Boris. Salut, voisin. Alors, Boris, tu ne t'ennuies pas trop? J'ai papa, un peu. Tu sais que ton nouveau petit voisin est dans notre jardin. Pourquoi tu n'irais pas jouer avec lui? Ah oui, papa, voilà une bonne idée. Toute une aventure. Dis, Boris, tu crois qu'il est gentil, le nouveau voisin? Eh bien sûr, pourquoi il ne le serait pas? Tiens, justement, le voilà. Boris, on a un peu la trouille, hein? Oui. Très bien, restez ici. Moi, je vais aller voir. Je reviens tout de suite. Salut, voisin. Salut, voisin. Salut, voisin. Incroyable. Alors, il est gentil, il est gentil. J'ai dit, salut, voisin. Mais il a fait comme s'il n'avait rien entendu. Il est peut-être sourd. C'est plutôt un gros malpoli. Je vais lui apprendre les bonnes manières, moi. Je vais lui parler. Tiens, les canards volent à l'envers cette année. Ce voisin est une brute. Je vais lui dire de mon moi. Attention, ça va saigner. Oh tiens, les chiens volent maintenant. Ça y est, j'ai trouvé comment parler au petit voisin. Aïe aïe aïe, je crains le pire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bagarrent. Je veux pas voir ça. Hein? Quoi? Bon, qu'est-ce qui vous prend? Vous l'avez dit qu'il était gentil, le nouveau voisin. Aïe! Il adore jouer à la bagarre, comme moi. Un vrai voisin? Ouais. Ah. C'est une bonne nouvelle ou pas? En tout cas, pendant qu'ils joueront ensemble, ça nous fera des vacances. Qu'est-ce que t'en dis, le canard? Boris. Salut, t'es qui toi? Tagda, tagda, tagda. Blam. Paf. Hey, attends-moi, on n'a pas fini de jouer, je te signale. Viens ici. Tiens. Bouh.
Mais t'es qui, toi? Moi? Mais je suis toi. Quoi? Mais c'est n'importe quoi. Si, si, c'est vrai. Attention, tu vas tomber. Je suis vraiment un grand maladroit. Ça, c'est incroyable. Moi aussi, figure-toi. Mais puisque je te dis que je suis toi. Venez vite, les amis. Il y a un drôle de petit bonhomme avec une drôle de tête. Et il dit qu'il est moi. Mais qu'est-ce que t'as encore inventé, c'est Boris? Regardez, il a quand même une drôle de tête, non? Mais Boris, c'est toi. C'est juste ton reflet dans le miroir. Mais qu'est-ce que tu racontes, canard? Oh, misère. Et en plus, je suis bête. Oh, toi, ça va, hein? Et toi, tu veux dire que j'ai une drôle de tête, peut-être? Ah, les miroirs ne mentent jamais. C'est bien vrai, ça? Oui, je dis toujours la vérité. Très bien, miroir. Alors, dis-moi que je suis le plus beau Boris de la Terre. En vérité, de tous les Boris de la Terre, c'est bien toi le plus moche. Oh, bon. Allez, vous trois. C'est malin, ça. Et toi, tu es un gros menteur. Je vais le prouver. Pose toujours. Maman, maman! Eh bien, que se passe-t-il, mon petit chéri? C'est lui, maman. Il dit que je suis moche. Mais pas du tout, mon chéri adoré. C'est toi le plus beau. Et je t'aime. Et ah, eh ben, dis donc. C'est qui le plus beau? C'est moi. Bon, bah, je préfère m'en aller, moi. C'est ça, Valjoyeur. Où est-ce qu'on en était, déjà? Ah oui. Attends, Boris. Ben, quoi? Je voulais te dire que... moi aussi, je te trouve très beau. Oh, merci la balle. C'est vraiment gentil de me dire ça. Ça me touche beaucoup, tu sais. Oui, je t'aime beaucoup comme un Boris. C'est peut-être ça qui fait son charme après tout. Boris, tous à l'école. Boris, Boris, Boris. Hé, Momo, t'as pas vu Boris? Je ne le trouve pas. Non, Canardo, et je le cherche depuis un moment. Vite, il faut le trouver. Boris, tu sais pas où est Boris? Non, moi aussi je le cherche. Boris! Hey, vous trois, c'est pas la peine de chercher Boris. Personne ne l'a vu depuis ce matin. Mais où est-il? Où il a pu disparaître comme ça? Quand Boris est là, il nous embête. C'est vrai, mais quand il est pas là, nous on s'embête. Oh, c'est compliqué la vie. Ne touche pas, Chichi. Pourquoi vous couinez comme des petits veaux? Boris, mais t'étais où? Hop là, ben, j'étais à l'école, qu'est-ce que vous croyez? À l'école? Ouah, incroyable! Mais Boris, c'est quoi exactement l'école? Oui, c'est quoi? L'école? Ben, c'est comme une maison, vous voyez? Ou plutôt, une grande maison. Non, une très très vraiment grande maison, voilà, comme ça. Mais Boris, qu'est-ce qu'il y a dans cette grande maison? Eh bien, dans cette grande maison, il y a plein de petits Boris. Ils sont tous comme moi. Hein. Ils courent partout, même au plafond. Quoi? Plein de Boris qui courent au plafond? Quoi? Mais tu veux dire qu'il existe d'autres Boris comme toi? T'es sûr de ce que tu dis, là? Moi, je n'y crois pas. Mais enfin, c'est tout bonnement impossible, Boris. Pourtant, c'est vrai, les amis, je vous jure. Il y a un Boris à lunettes. Où j'ai donc mis mes lunettes? Il y a un Boris en robe. J'espère que vous ne me prenez pas pour une princesse. Il y a même un Boris, on comprend rien quand il parle. Votre compadre vaut l'étonne choubidouka. Non? Un Boris, bisous, bisous. Un Boris, maman. Maman! Un Boris, hop! Un Boris, aïe! Aïe! Et un Boris, pipi, pipi! Oh, pipi, aïe! Pipi, pipi! Silence! Et puis, il y a la maîtresse. C'est quoi ça? Ah, la maîtresse. C'est une sorte de maman, en fait, avec elle on apprend à jouer et on joue à apprendre. Maîtresse, maîtresse! Un peu de silence, Boris. Oui, maîtresse! Maîtresse! Silence, Boris! Maîtresse, maîtresse, regardez! Silence, Boris!
Maîtresse, c'est pourquoi? Silence, Boris! Silence, Boris! Ah, cette maîtresse, elle répète souvent la même chose, hein. Et c'est assez rigolo, en fait. Je crois bien que l'école est le pire endroit de la Terre. Une vraie maison de fous! Heureusement, nous, on n'ira jamais à l'école. Silence, Boris! Boris, un parfait petit avion. Boris, qu'est-ce que tu fais? Ça se voit, non? Je fais un avion en papier. Il n'a pas l'air terrible, ton avion. Ce qui compte, c'est pas qu'il soit beau, c'est l'importance des ailes et qu'il vole bien. Oh, ça va pas, Boris! Oh, ça va, c'était juste une petite erreur de pilotage. Hop, 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 et voilà! Air Boris numéro 2! Bloquez-vous! Attention, décollage! Décidément, on n'arrive pas à se concentrer avec vous. Papa, mon avion ne vole pas très bien, tu peux m'aider? Bien sûr, Boris. Fais-moi voir ça. Je vois. Ton avion a besoin d'être perfectionné. Comme ça. Et tac! Et voilà! Wow, merci, papa. Je vais aller l'essayer dehors. Aïe! Je vous interdis de rigoler. Papa, je crois qu'on pourrait perfectionner encore un peu mon avion. Oui, je crois qu'on peut. Et ya! Regardez, les amis, je me suis fait un masque de Boris. Vite, commandez. Ah ah, c'est qui se marre bien maintenant? Hein? C'est Boris. Bon, d'accord, t'as gagné. Papa, tu crois que c'est encore possible de perfectionner mon petit avion? Oui, je crois. Mais si je fais ça, il sera vraiment parfait. Attends-toi. Et ya! Waouh! Ça alors! Bon voyage, petit avion! C'est ça! Bon voyage! Et bon débarras! Boris, vive l'aventure! Hop, hop, hop! Aïe! Mais qu'est-ce que tu fais, Boris? Attention! Fais gaffe, le voilà! Bah, où il va? Oh, pitié, pas un bain. On aime pas l'eau. Allons, Robetta, nous partons à l'aventure. Et c'est parti. C'est chouette, l'aventure. Où va-t-on, Boris? Aucune idée, mon petit pote. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. Peut-être, mais il se passe pas grand-chose jusqu'à présent. Patience, ça va venir. Tenez, regardez. Oh là là! Au secours! Je perds mes panneaux! Aïe!
Mes anneaux! Boris, rends-moi mes anneaux tout de suite! Et maintenant, où on va? Elle sait pas, l'aventure continue! En avant! Yeah! Accrochez-vous! Ah! Vive l'aventure! Mes anneaux! J'ai encore perdu mes anneaux! Oui, l'aventure, ça fait mal aux fesses! Et maintenant, où est-ce qu'on va, Boris? En route vers l'inconnu! Chou-chou! C'est encore loin, l'inconnu? Je ne sais pas, je n'y suis jamais allée. C'est peut-être là-haut. On n'y voit rien. On est dans les nuages. Quand c'est qu'on mange? Ben, c'est pas ici, en tout cas. On redescend. Chou-chou! Freine! Ah! Faut pas le frein! Ah! Boris, tout va bien? T'as une cassette? Eh non, quelle idée! Boris, on va où cette fois? Avec de la chance, le vent nous fera faire le tour du monde! Super! C'est chouette l'aventure! Waouh, ça souffle drôlement fort ici! Et on est drôlement haut! C'est la tempête! Elle arrive! Oh, non! Je crois qu'on va s'écraser! Super l'aventure! Ouais, c'était génial! Bravo, Boris! Est-ce que quelqu'un a vu mes anneaux? Je me sens tout nu! Et maintenant, Boris, tu nous emmènes où? Ben, nulle part. Vous avez qu'à aller où vous voulez après tout. Oh, moi, je me sens fatiguée tout à coup. Bon, qu'est-ce qui lui prend? Je ne sais pas. Oh, je vais aller me coucher. Ça alors? Elle nous a emmenés en barque, à cheval. On est allé en train vers l'inconnu. Et on a presque fait le tour du monde en ballon. Mais il n'a pas été fichu d'aller jusqu'à son lit. Faut le voir pour le croire. Pouah. Boris, vive la nature. Salut chien, salut canard. Autant, pas vrai? Salut Boris. Boris. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Boris? Là. Je ne sais pas. C'est comme si mes bras devenaient complètement fous. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Vite, vite, je vais aller déraciner cet arbre là-bas et calmera mes petits bras. Arrête, Boris. Laisse cet arbre. Tu n'as rien fait. Vous inquiétez pas les jouets. Regardez comme la nature est bien faite. Elle a fait les arbres bien solides pour que je calme mes petits bras. Regardez, maintenant ce sont mes pieds qui deviennent foufou. Salut, je dois courir le plus vite possible pour les calmer. Je crois que j'ai compris. Moi aussi, il accuse ses petits bras et ses petits pieds, mais en fait... C'est lui qui a envie de faire son petit fou. Ça va, Boris? Rien de cassé? Tranquille, la nature a tout prévu. Elle a même fait pousser l'herbe pour qu'on ne se fasse pas mal quand on tombe. Oui, mais regarde, tu es tout sale maintenant. Tu vois, la nature n'est pas aussi bien faite que tu le dis. Regardez, un nuage de pluie arrive vers nous. Ouais, et alors? Alors, hop! Et voilà, je suis tout propre. Tu vois, j'avais raison, la nature est vraiment bien faite. Oui, mais tu es tout mouillé maintenant. Et voilà, je suis tout sec. Merci qui? Merci la nature. Ah, Boris, c'était quoi ce bruit terrible? C'est mon ventre. Il fait ça quand j'ai faim. Mon ventre, il fait ça quand j'ai très très faim. Elle va faire quoi la nature pour calmer ton ventre? Des tartines de confiture qui vont tomber du ciel, c'est ça? Ça, c'est fastoche. Regardez là-haut. Oh, un avion en papier. C'est quoi? C'est un message de maman. Et tu sais lire, toi? Oui, elle dit que c'est l'heure du goûter. Youpi! Vous voyez, j'avais raison. La nature a tout prévu.
Mais Boris, c'est maman qui t'a envoyé le message, pas la nature. Bien sûr que si, parce que maman, c'est ma nature à moi. Merci la nature. Boris, vive le printemps. Voilà, ici ce sera parfait. Ah oui, ce sera parfait. Et voilà. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Boris? Ben, je te plante dedans du terreau. Comme ça, tu seras tout beau pour le jour du printemps. Maintenant, on arrose. Oui, et maintenant, on arrose. Et toi aussi. C'est très bien, Boris. C'est pas vraiment ce que j'aurais dit. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Moi, il n'a plus qu'à attendre que tu pousses. D'accord, j'attends. J'attends. Merci, canard. De rien, l'ours. Bon courage. Et hop, une journée de passé. J'en ai marre d'attendre. Quand est-ce qu'il revient, Boris? Boris, je crois qu'il est temps de voir si notre travail a porté ses fruits. C'est vrai, je m'ennuie un peu sans mon petit ours. Regarde, Boris, comme c'est beau. Les voilà, les petites pousses de printemps. Mais pourquoi il a des feuilles, lui, et pas toi? Je suis pas une plante verte, Boris. N'empêche que tu aurais quand même pu faire un petit effort. Je voudrais bien t'y voir, tiens. Qu'est-ce qui se passe, Boris? Je suis triste, maman. Et mon petit ours est déprimé. Tu peux l'aider? Je crois que j'ai une bonne idée. C'est prêt? C'est prêt. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Et voilà. T'es quand même bien plus beau comme ça, non? Oh oui, merci, Boris. Et puis, il fallait bien fêter le printemps, hein, maman, hein, papa? Oui, Boris, c'est formidable. Et Boris, où tu vas? Me laisse pas tout seul. Ça va, l'ours? C'est drôlement beau, dis donc. Ouais, on dirait un sapin de Noël. Non, non, vous n'avez rien compris. C'est Boris qui m'a déguisé en Indien. Thank you.